Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter la sélection que j'ai reçue de la Birchbox du mois de mai. Donc je l'ai reçue le 5 mai. Donc j'avais l'impression que c'était tard parce que je voyais tout le monde l'avoir reçue hyper tôt, du coup fin avril. Donc voilà, je pense qu'ils ont anticipé tout simplement les problèmes éventuels de livraison qu'il pouvait y avoir auprès de la poste. Donc tant mieux, ça reste quand même voilà, le 5 du mois, c'est plutôt top. Donc voici comment elle se présente. Donc là on a un format un petit peu plus haut et un peu plus carré. Moi j'aime beaucoup ce format là, ça me rappelle la nouveau box, pardon. Et donc du coup on est sur du motif très printanier, c'est plutôt pas mal, j'aime bien, j'aime beaucoup même. Donc dedans on retrouvait le petit livret qui du coup est sur le même format que la box, mais où on a bien le descriptif et les prix abonnés et prix public des produits qui sont présentés dans la box. On avait également tout un code promo pour avoir 25 tirages chez Lalalab. Ils le font 2-3 fois dans l'année, donc voilà, c'est plutôt sympa. Là c'est des formats, vous savez, vintage avec le bas blanc comme sur la photo tout simplement. J'ai reçu un échantillon de chez Jean-Paul Gaultier, c'est le parfum Label. Je connaissais pas ce parfum là, mais bon, les Jean-Paul Gaultier en général ils ont toujours une odeur assez similaire, je trouve. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Je préfère les parfums hommes chez Jean-Paul Gaultier que les parfums femmes, mais ça peut être toujours sympa à glisser dans un petit paquet. Voilà quoi. Ensuite, j'ai reçu de la marque Blanc Crème. C'est un lait pour le corps au thé vert et à la verveille. Donc, moi, c'est des odeurs que j'apprécie pas particulièrement. Donc, je vais le mettre au troc tout simplement. Mais c'est des très bons produits quand même. J'ai pu tester d'autres produits de chez eux. Et c'est des bons produits. Là, c'est juste les odeurs qui ne m'attirent pas du tout. C'est fabriqué en France et c'est avec des ingrédients naturels. Et puis là, on a un petit format du coup de 30 ml. C'est plutôt pas mal. Ensuite, la seule nouveauté niveau marque que j'ai reçue ce mois-ci, c'est New Seed. Donc là, c'est à la papaye et c'est un masque capillaire. J'adore le packaging, il est très simple, très sobre. Ce orange pêche est vraiment très très beau. Donc bon, bah là, libre à chacun d'aimer ou pas. Là, c'est un masque donc capillaire qu'on vient poser sur les cheveux une fois qu'ils sont lavés. Et ça va apporter de la brillance et de la douceur. Donc voilà, au printemps, c'est ce qu'on recherche. Donc c'est top, je valide. Ensuite, nous avons un petit sachet de poudre de la marque Sanaflore. Et là, c'est un masque peeling pour le visage. Donc il s'appelle le masque de botaniste. Moi, c'est une marque que j'apprécie beaucoup. Donc du coup, voilà, je suis plutôt assez contente d'avoir reçu ce format là. Il faut le mélanger tout simplement avec de l'eau. Je pense qu'on peut le faire aussi avec de l'huile, mais je n'ai pas tout lu. On vient masser le visage, on laisse sécher et on rince, et puis voilà, on a la peau qui est nettoyée, et ils disent bien que c'est même les peaux sensibles, donc c'est top. Ensuite, un produit de la marque Garantia, c'est une petite nouveauté, il s'appelle le Diabolique Glaçon. Donc là, on va avoir en fait une gelée un peu cristalline qu'on va venir tapoter, notamment sur le contour des yeux, un peu pour faire un effet glaçon en fait, comme quand tu veux vraiment faire supprimer tout complètement toutes les petites boursouflures de fatigue, j'ai envie de te dire, sur le visage. Donc voilà, c'est des actions qui sont hydratante, repulpante, la peau elle adore ça. Vous pouvez faire avec des cuillères froides tout simplement, que tu mets dans ton dans ton frigo le soir, le lendemain tu viens te les coller sur les yeux, ça marche aussi très bien. Mais là l'avantage c'est que du coup ça va hydrater en plus ta peau, donc voilà, je valide également. Ensuite, on avait la possibilité de recevoir, donc pour les abonnés, on pouvait choisir entre 3 teintes ce mois-ci, de la marque Joséphine, comme ceci. Et là, c'est donc un râle, comme c'est celui que je porte présentement, hein, qui s'appelle Meet. Il s'appelle comment? Meet Geneviève, voilà, c'est ça. Et donc, du coup, il se présente, j'adore le packaging aussi, il est vraiment très très beau. Très subtil. Moi, ça m'a fait penser au packaging de Lady Gaga, mais pourquoi, je ne sais pas, je me trompe peut-être. L'embout est hyper agréable à utiliser. Voilà, il a une forme un petit peu comme particulière qu'on voit pas souvent, très plate comme ceci, et ça permet de bien faire le contour de lèvres. Il est vraiment vraiment top, super agréable. Là, je le porte depuis
bonne demi-heure maintenant. Et voilà, il n'a pas filé, il me craque pas les lèvres. Donc voilà, j'aime beaucoup. Voilà. Donc c'était un rouge orangé, hein, simplement c'est des couleurs que moi j'adore au printemps. Donc voilà, j'avais envie de choisir celui-ci. Donc voilà, pour ma sélection du mois de mai, dites-moi vous en commentaire qu'est-ce que vous avez reçu. Les filles qui ont fait des vidéos, j'irai voir vos vidéos enfin, parce que je ne voulais pas être spoilée ce mois-ci. Et bah voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!